Bonsoir à vous, très chers téléspectateurs, et bienvenue dans l'Instant Loto. Votre rendez-vous avec le bonheur chaque dimanche à partir de 20h pile sur la DRTV internationale. Au sommaire de cette belle aventure, nous aurons quatre rubriques comme toujours. La première, elle met en lumière question de valoriser les talents des jeunes Congolais. Ensuite, que feriez-vous avec 100 millions de francs CFA? Juste après, l'instant cuisine. Nous finirons avec les astuces loto où nous vous donnerons quelques astuces pour augmenter vos chances de remporter des millions de francs CFA. Alors, installez-vous bien car c'est le moment de vivre l'instant loto. Ce soir, dans les talents de chez nous, nous allons recevoir un jeune talentueux. Il est pilote, il est entrepreneur et formateur. Il s'appelle Ilit Onganya. Bonsoir Ilit. Tu es un homme à plusieurs casquettes. Dis-nous, quelles sont les études que tu as faites pour arriver là? Bon, à la base, je suis pilote d'avion de ligne. Et après, le métier d'entrepreneur m'a emmené à apprendre beaucoup de choses. Et après, étant donné que je suis dans le monde des simulateurs, c'est pas une formation que j'ai apprise à l'école en tant que telle, mais j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de livres pour savoir comment fonctionnait le simulateur. Et c'est comme ça que, du fil en aiguille, j'ai pu rassembler toutes ces connaissances et être ce que je suis aujourd'hui. Parlons des simulateurs, c'est quand même quelque chose de complexe, les simulateurs. Comment tu arrives à les fabriquer et quels sont les matériaux que tu utilises? D'accord. À la base, il faut d'abord comprendre qu'un simulateur, en fait, c'est constitué de plusieurs choses. Vous avez une partie technique, une structure technique qui est mécanique. Vous avez un côté électronique, vous avez un côté électrique, vous avez un côté informatique. Donc, c'est une combinaison de tout ça qui constitue un simulateur. Donc, une fois que vous fabriquez l'habitacle dans lequel la personne va être, il faut rajouter un peu les agrégats qui vont permettre à ce que l'opérateur qui soit dans le simulateur se sente comme s'il était dans un vrai engin. Que ce soit un simulateur de voiture, un simulateur d'avion, un simulateur d'engin, il faudrait qu'il ait l'impression qu'il est dans le vrai. Alors on va jouer sur plusieurs aspects, sur l'ergonomie, on va jouer sur l'illusion optique, on va jouer sur la proprioception. Et donc là, on va utiliser plusieurs petits capteurs, plusieurs éléments, les écrans, des circuits intégrés pour reproduire un peu l'ensemble de tout ça. Voilà. Tu donnes des formations au lycée technique industriel Premier Main. Pourquoi avoir choisi cette école? Alors là, il faut repartir un peu dans mon histoire. Il y a 20 ans, j'étais élève au lycée technique Premier Main. Et donc, je suis sorti de là. Et c'est du lycée technique Premier Main, en fait, que j'ai obtenu mon concours pour devenir pilote. Et donc, 20 ans après, c'est le retour aux sources. Je me dis un peu, bon, aujourd'hui, je suis pilote de ligne. J'ai pu réaliser mon rêve. J'ai pu réaliser pas mal de choses. Mais qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour les petits frères, entre guillemets, que j'ai laissés là-bas? Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis reparti au lycée technique, passer un message. Au fait, tout est possible. Quel est le conseil principal que tu peux donner à toute la jeunesse congolaise qui te suit en ce moment? Alors, aux jeunes, je dis souvent, aux jeunes plus jeunes que moi, je dis souvent, en réalité, la limite, c'est vous-même. Ouais. Si tu n'oses pas, en fait, tu as déjà échoué. Vaut mieux essayer. Il faut avoir peur de rien, il faut oser. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de l'Instant Loto. Nous te souhaitons beaucoup de succès dans ta carrière. Merci Marie. Que feriez-vous avec 100 millions de francs CFA? Et si on partait à la rencontre des rêves des habitants du quartier Potopoto, Matiti Mabé, comme ses habitants adorent l'appeler avec gloire, c'est parti. Chers téléspectateurs, nous nous sommes rendus dans le 3e arrondissement Potopoto, plus précisément dans l'avenue de France, pour découvrir les rêves de ses habitants. Ce qui va faire si opportunité à gagner 100 millions de francs CFA casque. Au côté de Nina Mbongwango. Ça me manque de payer 100 millions. Ça va pour la compagnie. Il y a toujours des gens qui ont des motos, donc il faut développer l'activité. Le bon aviso, ce qui va payer une opportunité de gagner 100 millions de francs CFA casque. Au côté de Nina Mbongwango. Vous n'avez pas engagé. C'est le petit remords qu'on a. Et Tiango, c'est ça là. Bazar, Ponton. Construire
Ouvrir une usine est l'un des rêves de Monsieur Elvis et donc le Loto 590 à travers son ticket gratuit lui donne cette opportunité de remporter les 100 millions de francs CFA afin d'être un digne fils de son village. C'est une grande équipe qui anime le shop de Poto-Poto. Chers téléspectateurs, nous vous laissons la découvrir. Bonjour, je me nomme Monsieur Ito Christ Feltel, assistant de shop de Poto-Poto. Moi, c'est Madame Lala Gabriel. Je suis caissière au shop de Poto-Poto. Moi, c'est Mademoiselle Alice. Je suis agent au shop de Poto-Poto. Je suis Madame Isoudi Marina. Je suis agent caissière au shop de Poto-Poto. Le shop de Poto-Poto. Bye, avec des vidéos. Il faut t'aimer à voisin. Adversaire Bissotolobi, Tembena 100 millions de francs CFA, Tito Coromportango. En ce moment, j'ai très faim, j'ai vraiment faim. Et si on partait déguster le pavé de saumon aux épinards avec Chantilly Chantal? C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes au centre-ville, non loin de l'hôtel Olympic Palace, car c'est ici que se trouve le restaurant L'Assiette, où nous apprendrons à cuisiner le pavé au saumon, aux légumes, à travers notre chef cuisinier de ce restaurant. Le saumon est un poisson riche en minéraux permettant d'assurer le bon fonctionnement du corps et contient aussi plusieurs vitamines. Notamment, on a la vitamine D qui aide les calciums à se fixer sur les os. On a également la vitamine A qu'on appelle le rétinol qui est excellente pour la vision. Sans oublier les vitamines B qui permettent de faire le plein d'énergie. C'est-à-dire, ça nous permet de nous maintenir en pleine forme. Le saumon contient également les oméga. Oui, les oméga 3 sont indispensables pour assurer le fonctionnement des systèmes immunitaires et nerveux. Allons-y maintenant à la rencontre de notre chef cuisinier et voyons comment est-ce qu'il s'y prend pour la préparation de ce plat. Je me nomme Ngoma Archilin, chef cuisinier au restaurant L'Assiette. Le restaurant L'Assiette propose la cuisine européenne, la cuisine africaine et la cuisine asiatique. Aujourd'hui, je veux vous présenter le pavé de saumon aux épinards. Pour la préparation de notre pavé de saumon aux épinards, ça ne nous demande pas d'y aller encore au marché. On a déjà nos provisions. On a besoin du poisson saumon frais. Les ingrédients, j'aurais besoin du sel, poivre blanc et le fond de volaille. Ça, c'est l'étape 1. En passant aux légumes, à notre légume épinard, j'aurais juste besoin du sel, poivre blanc, oignon et l'ail. Et à la fin, pour décorer l'assiette, j'aurais besoin de la sauce à la crème fraîche que je veux mettre sel, poivre blanc et le jus de citron. La préparation du poisson saumon, ça, c'est pas trop compliqué. Vu que c'est un poisson qui est déjà frais, je prends mon poisson saumon, deux portions. J'enlève juste la peau et ensuite, je commence à mariner mon poisson juste avec du sel, poivre blanc, fond de volaille pour donner un bon goût au poisson. J'aurai juste besoin de 15 ml de beurre pour faire passer à la poêle et je veux commencer à sauter mon poisson. Deux minutes, j'enlève mon poisson, je mets dans le plateau et puis j'envoie mon poisson au four. 10 minutes, je ressors mon poisson. Étape suivante, je passe aux épinards. Je prends l'huile d'olive, l'ail et l'oignon, je saute. À la fin, je prends les épinards, je mélange à la fois. Et à la fin, je mets le sel, un peu de fond de volaille. Mijoter. Au bout de 5 minutes, je retire les légumes au feu. Ensuite, la crème fraîche, ça sera mariné avec du sel, poivre blanc, avec le jus de citron. Et à la fin, je veux dresser mon assiette. Bon appétit à vous. Avant de commencer, je vous propose le cocktail d'avocat aux crevettes comme entrée. Après l'entrée du cocktail d'avocat aux crevettes, voici le plat de résistance, le pavé de saumon aux épinards, accompagné de la banane frite. Waouh, ce plat, je vous le dis, c'est de la magie pure.
si vous voulez aussi savourer le goût que moi j'ai ressenti aujourd'hui, alors n'hésitez pas, venez au restaurant L'Assiette. Je suis sûre et certain que vous allez vous régaler. Sans oublier le dessert offert par notre chef Amine. On vous propose comme dessert un cheesecake mix chocolat. C'est à la composition de 3 qualités de chocolat. C'est un gâteau à la base de fromage. Donc j'espère que vous régalez avec ce gâteau. C'était un grand plaisir pour moi d'être dans ce restaurant L'Assiette. Et si vous voulez aussi vous laisser emporter par les saveurs de L'Assiette, n'hésitez surtout pas de venir et de passer votre commande. Et vous allez voyager certainement avec les plats du chef Archilin et les desserts proposés par notre chef Amine. Beauté Congo, bonjour Congo. Je suis le chef Amine, le chef de la pâtisserie de L'Assiette. Soyez bienvenus chez nous. À la restaurant L'Assiette, nous avons de la restauration et le bar, la pâtisserie et la boulangerie et la viennoiserie. Aussi, nous avons des glaces et la biscuiterie. Nous avons un salon d'été spacieux ouvert. Nous avons un salle VIP pour les soirées privées et un espace de jeu pour les enfants et un terrasse qui est spacieux et qui est verte avec des plantes qui sont très jolies. L'Assiette, ça va de la vie. Très chers téléspectateurs, moi je me suis régalée avec ce plat et surtout ce dessert savoureux. C'est l'histoire d'un jeune homme africain résidant au Canada. Il devient millionnaire à seulement 28 ans. Tenez-vous bien, en dollars. Il gagne 2 fois la même somme au loto en moins d'un semestre, c'est-à-dire 6 mois. La somme était de 1 500 000 dollars. Moi, je ne demande pas beaucoup. Si j'ai seulement les 100 millions de francs CFA mis en jeu par le loto 190, en tout cas, monsieur Geoffrey, je vous dirai hasta la vista. Alors, comment on fait pour jouer au loto et remporter des millions de francs CFA? C'est la partie des astuces. Commençons avec Jessica Koussi qui va nous montrer comment jouer aux chances 4, l'une des options du jeu loto. C'est parti. Bonjour monsieur, nous avons un gagnant sur Pointe Noire. Il a joué 5 numéros, il a gagné 4 numéros et son revenu est de 500 000 francs CFA. Donc s'il avait joué par exemple uniquement que 4 numéros, donc nappe 4, il aurait gagné 1 million de francs CFA, sa mise multipliée fois 10 000. Avec NAP 4, vous avez la possibilité de miser par rapport à votre mise. C'est la mise multipliée fois 10 000. Donc si par exemple vous avez misé 100 francs, c'est votre mise multipliée fois 10 000 qui va vous donner 1 million. Et si par exemple vous trouvez un numéro sur ces 4 numéros-là, on rembourse votre mise. Et si vous trouvez 2 numéros, vous avez 2 000. Et si vous trouvez 3 numéros, vous avez 20 000. Et tous les 4 numéros, votre mise multipliée fois 10 000. Donc, ce qui va dire avec NAP 4, vous gagnez plus d'argent. Ce n'est pas tout. Comme d'habitude, dans notre deuxième astuce, Chanty Chantal se retrouve dans la salle loto où elle nous donne les numéros chauds et les numéros froids. C'est parti. Merci beaucoup, Marie. Très chers téléspectateurs, ici, quand on parle des numéros chauds et des numéros froids, vous devez comprendre que les numéros chauds, ce sont des numéros qui apparaissent très souvent au cours d'une même semaine pendant les 4 tirages de la journée. Et les numéros froids, ce sont des numéros rares, des numéros que l'on ne voit pratiquement pas apparaître. Et pendant cette semaine, les numéros chauds que j'ai pu relever, il y a le numéro 20, le numéro 30, le numéro 35, le numéro 65 et nous terminons par le numéro 75. Passons au numéro froid, on a le numéro 4, le numéro 6, le numéro 21, le numéro 31 et le numéro 51 que je n'ai pas du tout vu au cours de cette semaine. Alors, pour vous fidèles parieurs qui aimez jouer mais qui ont du mal à choisir les numéros, aujourd'hui je vous propose une nouvelle astuce en jouant les dizaines. C'est-à-dire dans votre ticket, composez les numéros tels que le numéro 10, le 20, le 30, le 40 et le numéro 50.
Beaucoup ont essayé cette astuce et ça a marché. Et j'espère que ce sera aussi votre cas et vous allez peut-être remporter les 100 millions de francs CFA que le Loto 590 a mis à votre disposition. Merci beaucoup Chantal et on se dit à dimanche prochain. C'était tout pour ce soir. On se donne rendez-vous dimanche prochain sur la même chaîne, la même heure. Et sur ce, prenez soin de vous.